La majeure partie de l'Europe a été écrasée par l'Axe, forçant les Alliés à battre en retraite. Leurs voies d'approvisionnement en armes et en vivres sont neutralisées. Le canal de Suez, passerelle vers le Moyen-Orient, est le dernier espoir de l'Empire, faisant de l'Afrique du Nord un conflit crucial. Tandis que les Britanniques et l'Axe s'affrontent à la frontière égypto-libyenne, la ligne de front fait des zigzags à travers le désert occidental. Une bande de sable dure et impitoyable entre la Méditerranée et le Sahara. La guerre blindée est en plein essor. Ici, les chars sont rois. J'arrive à Tobrouk. Je débarque d'un bateau chargé de renforts. Deux jeunes hommes courant à leur perte. Aucun d'entre eux n'est vraiment à l'aise en ma présence. Ça me convient. La plupart d'entre eux ne reviendront pas. L'opération Crusader nous a débarrassés de Rommel. Mais les forces de l'Axe ratissent à nouveau le désert occidental. Les Alliés ont commencé leur retraite de Gazala, et Rommel est aux portes de la ville. Il n'y a pas de temps à perdre. 35 000 hommes ont le même ordre. Tenir Tobrouk.